2020 may have been one of the most tumultuous years in recent memory, but also one of the loneliest. France's lockdown saved lives, but left an entire country anxious and socially isolated. This psychologist warns that after the initial shock of the first wave, people are now emotionally exhausted. Autant après le premier confinement, on a pu penser que ça se terminerait rapidement, autant là, on se rend compte que ça s'inscrit dans la durée, que malgré l'arrivée d'un vaccin, enfin très progressive, donc le poids qui pèse sur la population est bien plus important maintenant qu'au printemps. Professor Franck set up a therapy service designed to help patients deal with the mental health impact of COVID-19, which offers online, socially distanced consultations. This patient was so afraid of the virus, she developed compulsive behavior. Je me lavais les mains en boucle. J'osais pas toucher mes cheveux de peur que, enfin, je sais quel hasard le virus soit arrivé dessus. Si j'allais chercher le courrier, je me changeais en revenant. Je lavais, si je recevais un colis, je le passais d'abord à la javel, puis au savon, puis à la javel, puis au savon. Her symptoms are easing after several sessions. The psychiatrist says the fear of the virus is a common concern among her patients. J'ai un patient qui m'a dit qu'il avait été sorti d'un supermarché parce qu'il n'arrêtait pas d'embêter les gens par rapport à la distance de sécurité, etc. While a vaccine may help life get back to normal without proper support, the psychological scars of the pandemic could stay for some time to come.